Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite entre guillemets vidéo haul. Parce qu'encore une fois, j'ai plein de choses à vous montrer. Parce qu'il y a quand même plusieurs bons plans que j'ai fait. Et comme je ne fais pas à chaque fois de petites vidéos, etc. pour vous montrer dès que j'ai quelque chose à vous montrer, et ben j'ai attendu d'avoir plusieurs choses. Donc j'espère qu'elle ne va pas prendre 3 heures entre guillemets comme la dernière, parce que je trouve que c'était un petit peu long. Donc je vais commencer tout de suite afin de pas trop faire traîner la chose. J'ai fait un petit tour chez Action comme d'habitude, hein. J'ai acheté cette petite chose que je trouve assez sympa, on va dire, enfin pratique. En fait c'est un espèce de... C'est pour couvrir les aliments pour l'été avec les mouches. Enfin, c'est surtout pour être dehors, mais voilà, ça fait comme un socle entre guillemets pour cacher, pour mettre sur la table pour les aliments. Et je trouve ça assez pratique parce que bah, vivant à la campagne, j'ai beau être au deuxième étage, il y a quand même pas mal de mouches déjà. Donc, j'ai acheté cette petite chose pour 52 centimes, donc dans le rayon barbecue, etc. Et voilà, c'est sympa comme tout. Je me suis racheté des petites bougies chauffe-plat, mais pour une fois j'en ai pris des un petit peu plus épaisses. En fait j'ai pris des plus ou moins 6 heures ou des 4 heures. C'est celle-ci, c'est le paquet rouge et ça coûte un petit peu moins de 3 euros je crois, il y en a 75 dedans, donc j'ai un stock j'ai un stock pour un sacré moment, étant donné que les bougies bien souvent c'est en hiver que je les allume le soir quand il fait noir. Maintenant j'ai envie de dire, j'ai le temps avant de les allumer, mais j'ai fait le stock, voilà, on ne sait jamais. J'ai racheté aussi, parce que moi j'en mange un petit peu, mais mon mari, il les apprécie beaucoup. Ce sont des oignons frits. Voilà, chez Action, qui coûtent 1,19€ je pense. Ils sont vraiment beaux, pas chers, et il y a 400 grammes, donc franchement, vous en avez pour un sacré moment. Ils sont bons jusqu'en 2017, donc voilà, il y a de la marque, il y a de quoi faire. J'ai acheté aussi, c'est tout bête, enfin voilà, c'est des petits lots de chaussettes comme ça pour enfants, aussi pour petits garçons. C'est un paquet de 3 et ça coûtait moins de 2 euros. Voilà. Ça par contre, ça vient de chez Zeman, je les ai mis comme ça dans le paquet. Ce sont des cintres en plastique noir, il y en a 5. Et c'est 1,49€ par paquet. Et bon, faut éviter de mettre ici forcément quelque chose de très lourd. Mais ils sont plutôt pas mal pour le prix. J'ai aussi été faire un tour chez Camalé. Parce qu'en fait, tout est un petit peu mélangé. Donc bon. Parce que je voulais m'acheter un nouveau sac. Parce que le mien devient vraiment, vraiment pourri. C'est surtout que aux deux lanières, le simili-cuir s'effrite. Parce qu'il n'a rien d'autre que ça. Donc, il fallait bien que j'en achète un autre. Et j'étais chez Camaïeu pour voir s'ils n'avaient pas des sacs ou l'autre. Je ne vais jamais dans cette boutique. Pourquoi, je ne sais pas. Comme ça. Et j'ai pris ces deux petits t-shirts. Et en fait, c'était une promo. C'était les deux t-shirts. Je crois qu'il y avait ça avec d'autres basiques. Mais c'est des t-shirts basiques comme ça, voilà. Donc celui-ci, c'est l'encolure en V. Un beau rose pétant. Il coûtait à la base 5,99€ chaque. Et c'était deux pour 10€. Donc je les ai pris tous les deux en XL. Donc voilà, nos trois un peu plus flash avec le col en rond, voilà. Donc en XL, forcément, il faut que tout rentre. Et il y avait même XXL, voilà. Ils sont sympas en coton, c'est des chouettes basiques, j'aime beaucoup. Et en plus, il fallait que je m'en rachète quelques-uns, donc j'ai profité du bon plan. J'ai aussi été faire un petit tour chez Creusat à Wavre. Pour celles qui ne seraient pas encore au courant, on ne sait jamais, ça fait un bon moment maintenant qu'il y en a un qui est ouvert, mais il est assez petit. Et j'ai repris mon nettoyant pour pinceau. Donc à 2,99€ de la marque Kruidvat. Et j'ai repris un rouge à lèvres, celui que je porte pas mal en ce moment.
C'est le 21 très chic de chez Essence. Donc ceci est un très joli bordeaux. Je me suis acheté chez Zeman, ça fait très très longtemps que j'avais plus acheté du jeans chez eux. Il m'en fallait et je sais pas, j'ai bien aimé la couleur, voilà. Une espèce de vert d'eau, je me suis dit que bah, ça changerait peut-être un petit peu, ça m'irait peut-être bien. Et il coûtait 2,99€. J'ai fait un tour chez Dee vite fait parce qu'en fait je voulais surtout voir s'il y avait encore des pochettes surprises. Hein. Je crois que je vous en ai déjà montré une. J'ai racheté mon déodorant que j'aime de chez Nivea. Donc je vous en avais parlé dans mes produits terminés il y a déjà un moment. Et en fait malgré que j'ai celui en roll-on, je voulais me reprendre celui-ci en spray également parce que j'en avais plus. J'avais vidé mes autres déodorants et j'ai racheté celui-ci. Et en plus, je me suis pris un petit paquet, oui, de 50 cotons démaquillants de chez Demakeup. C'est Demakeup Expert. En fait, ce sont des gros ovales. Voilà, comme ceci. Et ça coûtait quand même 2€, quoi. Bon, une fois, voilà. Hop. Hop, je vais mettre le sac sur le côté parce que sinon je ne m'en sortirai plus du tout. Voilà, encore des petites choses. Ça, c'est chez Action. J'ai pris un bête petit top comme ça, petit basique. Des petites manches toutes fines ainsi. Voilà, ils sont pas très très longs, mais ça va. En taille XL également. Mais je crois que j'aurais même dû prendre XXL s'il y avait, je ne sais plus. Parce que c'est des matières assez près du corps, assez élastique, donc ça va assez serré à la poitrine. Bon, au pire, je le mets à la maison pour dormir. Et ça coûte 2,39€, si je me rappelle bien, 2,39€ ou 2,59€, mais pas plus. J'ai acheté également, si ça, jamais ça vous plaît, j'espère qu'il y en aura encore, mais ça, je suis pas sûre. J'ai acheté un gobelet, ben, comme ça c'est assez connu. Et le dessin dessus, c'est voilà, Enjoy Summer, pardon. Et la différence en fait avec celui-ci, c'est que il est tout en plastique. Il est tout en plastique avec sa taille et il m'a coûté 59 centimes. Je m'étais dit qu'en plastique, ça pouvait toujours être sympa si jamais je pars avec, je le termine, je peux tenter de mettre un petit plastique autour et même dans mon sac, ce ne sera pas très lourd non plus. Donc c'est plutôt sympa. J'ai acheté ceci également. Ça, j'en ai déjà mangé plusieurs. J'en ai quand même gardé un pour vous montrer. Ce sont des petits snacks. Voilà, 100%, enfin j'ai envie de dire 100% sain. Voilà, 100% snack aux fruits vitaux. Ça, la fraise. Et en fait, c'est tout simplement séché. Je regarde en fait. Ouais, je sais pas trop. C'est sans colorant, sans arôme ajouté, sans conservateur, sans gluten, sans graisse ajoutée, sans graisse insaturée. Ça n'a pas été frit, ça n'a pas été cuit et ça sent OGM. Voilà. Et il y a 18 grammes à l'intérieur. Je sais pas combien ça fait en calories parce qu'en tout cas ils mettent pour 100 grammes. Vas-y pour avoir 100 grammes. Et franchement, c'est super bon, j'aime bien. J'ai pris à la fraise parce que je préfère la fraise. Enfin, je n'ai même pas goûté les autres. Une banane pourrait être très bon, mais bon. Et oh, je suis bête. Voilà, 63 centimes par paquet. Je crois que c'est même encore plus fort que tous les trucs à la spéciale quai, etc. Et ça coûte 83 centimes. Voilà. Chez Action, toujours. Bien que j'en ai, mais celui-ci, ben, voilà, j'avais jamais vu. Donc je me suis dit que je vais tester. Ce sont les lip butter de chez Labello et celui-ci c'est le blueberry blush. Voilà, et ça coûtait 1,69€ si je ne m'abuse. Encore et toujours, d'ailleurs mon mari m'en a même ramené pensant que j'avais pas vu qu'ils en avaient remis en magasin. J'en ai un stock. J'ai racheté d'ailleurs, je me dis que j'achèterai bien 2-3 boîtes et je vous les ferai gagner si vous n'avez pas encore testé. Ou si vous n'avez pas d'action chez vous. Donc ce sont les strips pour points noirs à 99 centimes de chez Action que j'adore. J'ai acheté des bougies aussi parce qu'il y avait
pas il y a, normalement encore, j'ai pas, j'ai même pas été par là la dernière fois que j'ai été, donc je sais pas. J'ai acheté une toute petite bougie, comme ça, un petit peu comme d'habitude, on va dire, entre guillemets. Une simple bougie, voilà, que j'aime bien éclairer. C'est normalement Winter Leaf. L'odeur, ça sent pas grand chose. J'ai acheté, ça, ce sont les Airwick. Ici, c'est celle au coin du feu. Feu de bois, orange et cannelle, les odeurs. Ça sent pas mauvais, c'est pas ce que je préfère, moi j'aime bien le petit pot. Je me dis que je le garderai peut-être pour mettre des cotons ou autre, bref. Et celle-ci coûtait 2,39€ ou 69€, je ne sais plus. Et celle-ci, ce sont les nouvelles. Parce qu'il y a celle où ça fait donc avec les lampes LED. C'est la même chose, sauf que le motif est différent. Et ce sont de nouvelles odeurs aussi. Ici, c'est fleurs blanches, pardon, melon et vanille. C'est délice d'été. Et j'adore parce qu'en fait, c'est la même chose que les trucs de cire de chez eux que j'ai acheté. Voilà. Et celle-ci, ça c'est 2,89€. C'est le même prix que les autres où c'est le fond noir et les autres dessins. J'ai acheté aussi chez Action un trop beau petit carnet comme ceci qui est quand même plutôt épais. Ce sont des lignes à l'intérieur et il coûte 89 centimes. Je me suis acheté aussi, et ça normalement c'est ici le paquet, enfin juste pour montrer, une batterie de secours, voilà, c'est celle-ci, donc en rose. J'ai juste enlevé le petit câble parce que je m'en suis déjà servi une fois. Et je la trouve bien, je l'ai utilisée qu'une fois, donc bon, j'ai envie de dire, je sais pas trop. Mais elle est vachement meilleure quand même que celle que j'avais. Et elle coûte bon, 10€ quoi. Mais bon, je préfère encore payer 10€ que celle où je l'avais achetée, je crois, à 4€ chez eux. Et qu'une fois qu'elle est chargée, elle se décharge toute seule. Donc au final, j'avais même pas. Je récupérais à peine la moitié de ma batterie pour mon téléphone, donc franchement. J'ai pris celle-ci, elle me l'a chargée complètement à 100% et c'est génial. Je me suis acheté également, pour quand je bouquine dans la chambre, une petite lampe comme ceci. Il y a deux petites ampoules LED dedans et on met des petites piles, comme les montres, et ça allume quand même pas mal le soir. Voilà, avec le petit clip, c'est, on peut se tourner un petit peu dans tous les sens. Et j'ai payé ça 79 centimes. Voilà. J'ai encore acheté d'autres petites choses, bien sûr. Ça, c'est chez Zeman. J'ai acheté des cintres pour les vêtements de mon fils. Des petits cintres, bien sûr. Les Avengers. Et ça, ça coûte 99 centimes pièce. Enfin, pièce, il y en a 3. Le paquet, je voulais dire. Et j'en ai acheté des Cars aussi, qui, eux, sont tout noirs. Et ils sont plutôt sympas. Voilà. J'aime bien, comme il a sa penderie, ben il faut. J'avais pas assez, j'en avais pas acheté assez. Donc j'ai dû en reprendre. Voilà. Un petit achat. Parce qu'on a été faire un petit tour à Bruxelles. Il y a déjà plusieurs jours de ça. Ça sent super bien. Et je suis passée donc dans la boutique Popcorn. Là où je vous ai indiqué il n'y a pas très très longtemps qu'il y avait des bougies, des tartelettes, etc. Yankee Candle. Et donc on y est allé parce que j'ai fait mine de rien, j'ai fait genre tiens bonhomme, tu vas me choisir une petite tartelette. Et donc mon fils m'a choisi celle-ci, pointe de glace. Voilà, peut-être pas forcément pour la saison, mais elle sent super bon, j'aime beaucoup. Et moi je me suis pris celle-ci, la fusion de fruits, donc il y a des fraises, du citron vert et de l'orange, et elle sent juste trop bon. Et en plus, au lieu de me la prendre en tartelette encore, je me la suis prise en petite bougie. Ce sont le fruit du dragon. Celle-ci. Et en plus, pour mettre dans mon sac, ça je crois que c'est assez. Enfin, c'était nouveau parce que quand j'y étais la dernière fois, il n'y avait pas. C'est de la marque Bath & Body Works. Et ce sont les petits gels antibactériens. Ici, c'est le Copacabana Coconut. Et je crois que ça coûte, c'est quand même assez cher pour 29 ml. Je crois que c'était 3,50€. Bon, je me suis dit que voilà, j'allais tester une fois. Hop. J'ai acheté chez Zeman également
une toute petite trousse comme ça. C'est vraiment tout bête, ça coûtait 9 centimes, mais voilà, pastèque, rose, j'ai adoré. Et bien souvent, je me sers de petites trousses comme ça quand je vais en cours. Je prends pas mon gros portefeuille, je prends ma carte d'identité, un tout petit peu de sous, un petit peu de monnaie. Et voilà, donc elle était toute mignonne, elle aura son utilité. J'ai aussi acheté un petit pinceau de la marque Essence chez Kruidvat. C'est pour la gamme Wake Up Spring. Et c'est un pinceau comme ceci, qui est tout plat. Enfin, voilà, on me dit que je testerai pour du contouring ou autre. Et ça, ça devait être de l'ordre de 1€, de 12,39€, peut-être quelque chose comme ça. J'ai aussi fait, on va dire, du stock d'eau micellaire Nivea. Parce que vous n'êtes certainement pas sans savoir, et encore plus si vous avez un petit bonhomme ou des petits bonhommes ou des messieurs à la maison qui sont fans de foot, que ben, en ce moment, dans tous les magasins Carrefour, etc., il y a de nouveau tous les stickers Diable Rouge. Et évidemment, mon fils est fan, et ben, je dois de temps en temps, quand j'y vais, regarder à évidemment en avoir. Et je crois que c'était 4, 3, 4, je ne sais plus, enfin bref, pour deux produits Nivea achetés, ben, j'avais plusieurs paquets. Et bon, ben, je me suis dit que je ferais un stock, étant donné que j'aime bien Nivea et que ce sont les nouveaux produits. Donc j'ai pris l'eau micellaire peau normale à mixte, donc c'est la soin fraîcheur, donc la vitamine E. Et j'ai pris celle pour peau sensible, donc toujours 3 en 1, sans parfum, colorant et paraben. Voilà, ce sont les nouvelles eaux micellaires de chez Nivea. Donc je n'aurai plus qu'à tester. Chez Carrefour, j'ai aussi acheté, il faudrait qu'on teste, mais voilà, c'est bien la preuve que je voulais vous les montrer. Si vous cherchez les fameux petits bonbons, comme ça, hein, où vous avez... crotte de nez ou œuf pourri, hein, ça dépend de ces petits bazars là, etc. Et eh bien, il y en a pour moins de 3€ dans le grand Carrefour qui se trouve à Wavre. Évidemment, il y a des Carrefours en France aussi, donc je suppose que vous en achetez là, mais ici, voilà, c'est vraiment un tout petit paquet qui ne coûtait pas très très cher, parce que les gros paquets, c'est tout de suite onéreux, on va pas tester ça à 50, on va tester ça à nous deux, donc il n'y a pas besoin que ce soit un paquet énorme. Chez Di, je me suis racheté mon démêlant express au karité. Voilà, pour tout type de cheveux de chez Lovea, qui est sans parabène, sans rinçage non plus. Voilà, j'applique ceci sur mes cheveux avant de les brosser quand ils sont mouillés. Et franchement, ça démêle super bien. Il m'en reste encore un petit peu dans l'autre, mais vu que j'étais sur place, je me suis dit, prends-le, qu'on n'en parle plus. J'ai aussi acheté un petit format de crème nourrissante au karité et cacao pour les peaux très sèches. Voilà, comme ceci. Chez Blocker, vite fait, on a fait un tour vite fait. Je me suis juste acheté ceci, en fait, c'est des petits cadres photos. Il y a 8 pièces et ça coûtait 1,79€. En fait, c'est pour faire... ça fait des modèles comme ça. Vous pouvez mettre autour de vos photos, ça fait une espèce de polaroid, voilà, avec un petit cadre. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et je me suis acheté une pochette à 9€ chez Di, avec plein de choses dedans. Le seul truc, enfin, qui est dommage, oui, non, parce que quand je vois les couleurs sur l'image, c'est pas très grave, mais en fait, j'ai reçu ce produit dedans, éclaté de chez éclaté, quoi. Donc, j'ai remis comme ça juste pour vous montrer. C'est, voilà, mais bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et celle-ci, cette pochette-ci, était vraiment super intéressante. J'ai reçu une montre pour homme de chez L'Oréal. Rien d'exceptionnel, mais voilà, à la limite, c'est une petite montre qu'on peut mettre de côté. À la limite, la nôtre, elle tombe en panne ou quoi. Enfin, celle de monsieur tombe en panne ou quoi. Bah, on peut prendre celle-ci pour dépanner, c'est encore un design assez sympathique. Voilà. J'ai eu évidemment des échantillons, etc. J'ai eu un baume pour les lèvres à la vanille de chez je sais pas. Ah, figue et rouge. C'est pas comme ceci et qui coûtait 5,49€. J'ai eu également, ça c'est génial, le super liner mathématique de chez L'Oréal.
Voilà, des échantillons, un anticellulite, un masque intense de chez Nivea. J'ai encore eu d'autres petites choses. J'ai eu un fard comme ça, blanc nacré, qui je pense a l'air d'être de la marque Jomet. Voilà, c'est les Show Mono. Je connais même pas, mais il est encore emballé celui-là. Donc, je trouve une petite boîte. Voilà, j'ai eu aussi un échantillon du citron verveine douche du Petit Marseillais. J'ai eu aussi, ça c'était 3 euros, encore un lip butter à la framboise rosée de chez Labello. Enfin là c'est Nivea, mais bon, c'est Labello. Un petit vernis L'Oréal, c'est les couleurs riches. C'est le 622 Soft Chinchilla. Voilà. Hop, j'ai eu. Alors ça, je suis super contente. Il va falloir que je teste. Un vernis essie, mais un trop beau rose. Comme ceci. Voilà. Et c'est Groove is in the Heart. Voilà, le reste, je me suis malheureusement, j'ai enlevé l'étiquette, donc j'ai pas le numéro de référence. J'ai un Color Tattoo 24 heures qui est le 05 Eternal Gold. Et il y a que moi qui ai planté mon doigt dedans. Donc voilà, ça peut être sympa. J'ai eu, là c'est Docteur Glossy Lip, un brillant à lèvres nourrissant. Voilà, on verra ce que ça donne. Moi j'aime bien, on dirait une espèce de grosses gélules. Voilà. Et pour terminer, encore un petit kit pour les ongles de chez Nivea. Et un. Ça, c'est en format tester, mais il est neuf. C'est le Dream Matte Mousse de chez Maybelline. Voilà, donc celle-ci, cette pochette, franchement, pour 9 euros, elle vaut largement le coup, quoi. Hop, encore les petites choses. J'ai été encore chez Action. J'ai acheté, parce que mon fils, bon, au final, il a donné l'idée, il avait envie, un petit frisbee rouge, tout bête, comme ça, entre guillemets, pour 75 ou 79 centimes. Voilà. Quand je dis que j'avais fait du stock, ça, c'est ce que mon mari m'a ramené aussi et que moi, j'en avais repris, ben, 3 boîtes de strip pour le nez. J'ai aussi pris des petits boxers pour mon fils en des Spider-Man et ça coûtait 4 euros, je crois, un petit peu plus, un truc comme ça. Voilà. Un tout bête aussi pour monsieur avec le bord rouge. Il me dira ce qu'il en pense parce que j'ai jamais pris de sous-vêtements là-bas pour eux, enfin même pour moi. Ou alors si peut-être une fois j'ai repris, que je mets de côté parce que ça me sert toujours. Des petites semelles que je mets dans ma ballerine et ça coûte moins d'un euro. Ensuite j'ai été dans chez le Trafic et je me suis pris le gommage douche douceur. Enfin, le douche gommage douceur au kiwi de chez Cottage. Voilà, et ça coûte 2,49 € si mes souvenirs sont bons. Encore une fois, chez GB, ça c'était pour avoir des cartes, mais au final, ça me déplaît pas de tester. Enfin, disons que tout mis ensemble, ça m'arrange bien aussi pour pouvoir tester. C'est le shampoing sec Baptiste, ça c'est floral et féminin, le blush. Voilà, et on saurait que c'est quand même plus cher que le Schwarzkopf que je prends, c'est près de 5 euros, mais voilà, on verra bien. Chez Kruidvat, j'ai acheté, mon mari voulait un gel nettoyant, donc je lui ai pris un gel nettoyant de la marque pour peau sèche, donc et sensible, voilà, et ça coûte moins de 3 euros. Je lui ai aussi acheté, parce que bah, c'était quand même pas cher au final, il me manque 2 paquets. C'est pas grave, ils sont sûrement dans la salle de bain déjà, c'est pas grave. Donc j'ai pris 4 paquets comme ça. Et ce sont des lentilles souples, mais des lentilles pour 3 mois en fait. Elles sont valables 3 mois. Et c'était 3,50 € la lentille. Donc le petit paquet comme ça. Donc j'en ai pris 4.
Et j'ai pris un paquet de lentilles pour un mois. Souple. C'est pour un mois. Il y en a 6 dedans. Donc voilà, ça fait 3 mois en fait. Ou alors c'est tous les. Une fois par an. Voilà, non, la lentille dure un mois. Donc en fait, vu qu'il y en a 6, ça fait 3 mois. Et ça, c'était 7,50 €. Voilà. Donc j'ai pas hésité. Et le petit sachet avec le ticket, il reste le chiffre 20 est ici. Moi voilà. Les autres lentilles. Je me suis prise une espèce de. Enfin, d'imitation de la Tangle Deezer, je ne sais pas quoi, la brosse à cheveux hein, qui sont censées pas casser, etc. C'est celle-là, 3,99 € de chez Creutzfeldt. Comme ceci en mauve. J'ai pris aussi des boucles d'oreilles. Ça faisait longtemps que j'ai pu acheter des boucles d'oreilles cacaille, on va dire, enfin à plus d'1 € de chez Action, et les autres, je les commande. Elles sont en acier ou en argent. Je sais pas, je voulais des grosses boules noires comme ça qui brillent un petit peu. Et elles coûtent 3,95 €. J'ai aussi acheté. Hop, et hop. Je pose un petit sachet. Un vernis essence, le 24 Indian Summer. Comme ça. Les nouveaux Velvet Stick. Moi, j'ai pris le Matte Lip Color qui est là. Et c'est la teinte 05 Plum Perfect. Donc là, il ressort quand même vachement plus rouge. Mais sinon, c'est un très joli Bordeaux. Et j'ai pris pour tester. C'est le Pretty Fine. Ou Pretty Fine Lip Oil. Donc, c'est un. En fait, c'est de l'huile pour les lèvres. Pour des lèvres douces et soignées, ne colle pas avec de l'huile de jojoba. Et ici, c'est le 02 First Help Pinky. Voilà, ça, on va voir ce que ça vaut parce que je ne sais pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, ah ben voilà, j'ai trouvé le petit câble en fait qui va avec la batterie. Vous avez un petit câble rose également. J'ai été chez CA parce qu'il fallait que je m'achète des jeans aussi et je n'allais pas acheter que des verres pistaches chez Zeman. Il me fallait aussi une ceinture. J'ai pris une toute fine ceinture beige. Voilà, parce que j'en avais une brune foncée, mais elle m'a lâchée à la fin avec le temps. J'ai payé 9 € et j'ai eu avec en fait un bracelet. Un gros bracelet comme ça. J'ai trouvé ça assez sympa parce que celle que j'avais regardée était 2 fois plus large. Elle coûtait 12,50 € et il n'y avait pas de bracelet avec. Donc au final, vu que je voulais une petite, bah, j'ai pris la petite et en prime, bah, j'ai eu un bracelet. Donc pourquoi pas. Je me suis prise donc 2 jeans parce que bah, la bonne affaire est que c'était à 50% dessus. Donc j'ai eu mes 2 jeans pour le prix d'un. Et j'ai pris celui-ci. Voilà, avec quelques déchirures par-ci par-là, on va dire. Rien d'exceptionnel. Voilà, c'est vraiment assez soft. Et donc, ils étaient à 29 € pièce. Donc, je les ai eu chacun à 14,50 €. Celui-ci, voilà, beaucoup plus basique. Il ressemble d'ailleurs un peu à celui que j'ai acheté chez Primark aussi. Chez Zeman, ça c'était en promo, je l'ai eu à 7 € au lieu de 13 €. Un gilet tout simple, comme ça. Pas très très long comparé à ce que je mets d'habitude, mais je sais pas, j'ai bien aimé. Il a des manches un peu chauve-souris comme ça. Il est chouette. Bon, évidemment, c'est pas avec ça que je vais mettre en hiver parce que c'est assez. Enfin, c'est des mailles pas très très serrées, donc forcément. Ensuite, chez. J'ai aussi acheté un petit t-shirt mignon comme ça pour mon fils. Ça coûte 5 €. Il y en a pour les filles aussi. D'ailleurs, on a aussi plein acheté de trucs aussi pour le petit monsieur, pour le grand monsieur. Le grand monsieur, il s'est racheté des chaussures, des bottines et des baskets. Les baskets, il les a pris chez Pull&Bear. Si jamais vous avez déjà pris des trucs là-bas, des chaussures ou quoi, vous avez un retour qui soit bon ou mauvais, bah, vous pouvez toujours le mettre dans la barre d'infos. Ça peut être sympa. Il s'est commandé des pulls aussi sur internet. Pour le petit, on lui a aussi racheté des jeans.
il fallait des jeans, hein, avec le foot à l'école, etc. Ben, il abîme tout. On lui a aussi racheté 2 paires de baskets. Que ça aussi, ça reste pas très longtemps. Donc forcément. Bon, ça, évidemment, une grosse partie de leurs affaires, hein, je les montre pas, il y a plein de trucs. Chez. D'ailleurs, il est déjà rangé. On a été faire un petit tour à la Fnac. Et pour, il y avait, on pouvait acheter 3 CD pour 20 euros, enfin, dans une sélection bien précise. Moi, j'en ai profité pour reprendre le vieil album de Kyo, Le Chemin. Donc voilà, celui-ci que j'adore. Ça date de 2002 déjà. J'ai pris celui-ci. Mon fils voulait prendre l'album de Stromae, le Cheese. Avec, bien sûr, bah, Alors on danse, hein. Je lui ai bien dit que c'était pas celui avec Papa Outé, etc. Mais il a dit, c'est pas grave, maman, je voudrais quand même. Bon, il aime bien, je lui ai pris. Et je me suis un petit peu trompée, entre guillemets. J'ai pris un CD, la bande, à Renaud. J'ai pas fait attention, je pensais que c'était un album de Renaud. Et en fait, c'est du Renaud, chanté par plein d'autres chanteurs. Grand Corps Malade, Carla Bruni, etc. Bref, ce que ça donne, mais bref, 3 CD pour 20 euros, ça va. Et bonhomme a trouvé pour monsieur un CD de Happy Hardcore, qu'on avait dit tout ça aussi. Donc c'était 9,90€. Donc il a pris ça chez Zeman. Le reste, parce que il y a encore pas mal de choses, je sais pas combien je suis là, parce que à chaque fois ça me fait des coupures que vous voyez pas heureusement dans la vidéo, mais je sais pas, ma caméra sectionne toutes les minutes, donc j'en sais rien. J'espère que ça va pas prendre 20 ans. J'ai acheté un débardeur basique, comme j'en mets beaucoup, un gris comme ceci, et je l'ai pris en taille 46 au lieu de 44, parce que c'est aussi une matière assez près du corps, comme j'ai pas envie que ça serre trop à ma poitrine, j'ai pris une taille au-dessus. J'en ai acheté 2 autres qui, cela étant en promo, à 2 pour 5€. C'était le même prix, mais c'est 2 pour 5€. Et celui-ci sert un petit peu, on dirait, mais bon, tant pis. J'en ai quand même testé un en taille 44 pour voir ce que ça donne, la différence. Et évidemment, j'en ai pris un tout noir et celui-ci, je l'ai pris en 46. Voilà. J'ai pris un pull pour le petit bonhomme qui coûtait 6,99€. J'ai bien aimé l'écriture. Enfin, j'ai bien aimé ce qui était mis dessus. Voilà. Mais pour être cool, je me suis dit, oh, allez, c'est mignon. Moi, je me suis pris un pull comme ceci. J'ai directement pris en 46. Celui-là pour être un petit peu plus à l'aise. Un tout noir avec écrit, je sais pas si ça va. Ah oui, ça ressort bien. Avec écrit très chic dessus. Et celui-ci coûtait 8,99€, pardon. Un autre tour chez Di. Oui, ces derniers jours, j'ai fait plusieurs Di. Et je me suis quand même laissée tenter par un dupe, apparemment, de la palette Naked 3 de chez Makeup Revolution. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Et bon, elle est encore collée au final. Je sais pas trop si c'est un dupe. Moi, elle me plaisait bien. Pour le prix, je me suis dit que je testerais. Et la preuve que je voulais tester les produits Baptiste, c'est que j'ai acheté un petit format au fruité et provoquant, comme ceci. Voilà. Maintenant, ah oui, chez Zeman encore, je me suis racheté mes petites chaussettes comme ça, les protège-bas, ils appellent ça. Moi, je ne mets pas de bas, c'est pour quand je mets mes ballerines, c'est ceci. Petites chaussettes comme ça, je les adore, celles-ci, et il y a 2 paires pour 1,99€, pardon. J'ai repris des chaussettes aussi pour monsieur, 3 paires pour 2€, et elles font quand même plutôt pas mal. C'est noir, gris très foncé et gris clair. Elles sont assez chouettes. Chez Primark, il y a des trucs de chez Action. J'ai mis en plus le sac à casser. Je me suis acheté un chapeau comme celui-ci. Et si je ne m'abuse, ça s'appelle une capeline. Mais il n'est pas marqué. C'est 100% laine. Ça coûtait 10€ et c'est la taille SM. Donc voilà, c'est pas forcément ce qui me va le mieux.
Mais voilà, c'est pas super laid. J'ai envie de dire pour le prix, même si je le mets 3-4 fois par an, ça va, hein. C'est de la laine, donc j'en ai pour un moment aussi, et c'est pas perdu. Je me suis acheté un jeans aussi là-bas, donc qui ressemble un petit peu à celui de CA, enfin c'est plutôt celui de CA qui ressemble à celui de chez Primark parce que je l'ai acheté celui-ci en premier. Donc voilà, un tout ça, et ça coûte 15 euros. Je sais pas s'ils ont, entre guillemets, tous augmenté ou ceux qui étaient à 8 euros que j'achetais avant ne sont plus vendus, je ne sais pas, mais j'en ai plus vu à 8 euros, donc j'ai pris celui à 15, on verra bien. Je me suis racheté une petite paire de ballerines. Et évidemment, ça, j'ai enlevé le prix. Mais normalement, je crois qu'elles étaient à 5 ou 7 euros. C'est toujours le prix des ballerines que je paye chez Primark. Et ce sont des beiges un petit peu, enfin, genre velours, comme ça, au toucher. J'ai acheté superbes chaussettes. Là, j'avoue, et en plus en promo, je pouvais pas les laisser là. Ce sont des petites chaussettes Star Wars. Voilà, et en plus en rose. Donc j'ai une paire avec Dark Vador. Hop. Ouh. Voilà. Et voilà. Donc je trouvais ça assez chouette. Et voilà, c'était à 2 euros au lieu de 3,50. Hop. J'ai acheté aussi un basique qui, ici, lui, il est à 4 euros. Évidemment, je ne sais pas, il est retourné. Voilà, enfin, un basique, toutes mes petites blouses, j'en ai plus beaucoup, beaucoup, donc j'en ai racheté pas mal. Et celle-ci est en taille. Ah oui, où? J'ai pris en taille 48. Ah, il est clair que je vais avoir une robe presque avec ça. Mais bref, je serai super à l'aise, au pire, je dors avec. J'étais persuadée d'avoir pris un 46. J'étais persuadée, à mon avis, j'ai pas fait attention sur le cintre. Bon, c'est pas grave. Ce sera loose, en même temps c'est des matières quand même assez près du corps aussi, donc bon, c'est pas très très grave, mais là, 48, j'aurais dû me retenir quand même. Bon, c'est pas grave. Chez Sport Direct, j'ai acheté ça pour petit bonhomme, pour qu'il se défoule un petit peu, qu'il ne se fasse pas mal non plus, les petits gants, c'est les plus petits qu'il y avait, sans taille S, et ça coûtait 13 euros. Voilà. Et au final, bah, j'ai plus rien de chez Primark là-dedans. Donc, comme quoi, voilà, les gants étaient mis là-dedans. Et ce sont, voilà, ah non, des juniors. Les juniors, bah, c'était les plus petits juniors qu'ils avaient. Voilà. Chez Action, encore, je me suis acheté des petits rouleaux de scotch. La marque coûtait ça. Coûtait 89 centimes. J'ai racheté une petite paire encore parce que je sais pas ce qu'il a fait, il perd à l'école tout. Les petits ciseaux comme ça qui coûtent 42 centimes et que bah, mon fils les adore. J'ai acheté une toute petite palette de nude et les nouveaux, enfin, apparemment les nouveaux vernis avec un effet gel. Ouais, voilà, gel effect. Voilà, ça coûtait 2 euros, je crois, le vernis, et ça c'est 89 centimes. Et bah, j'ai craqué pour un des petits paniers comme ça. Et je vais changer avec celui en vert. Je vais mettre toutes mes petites tartelettes. Le chez Yankee Candle là-dedans, ça coûtait moins de 2 euros. 1,39, 69, je ne sais plus. Mais moins de 2 euros, ça j'en suis sûre. J'ai repris une fois, d'ailleurs j'ai déjà commencé à essayer d'enlever l'étiquette pour garder la boîte. Ce sont les boîtes... plutôt joli, ça dépend des fois. Enfin, ça dépend des fois. Je veux dire, ça change et ce sont des biscuits dedans. De longs biscuits. Moi, je prends toujours ceux à la vanille. Voilà. La boîte est encore assez sympa et ça coûte 1,69€ si je me rappelle bien. J'ai pris aussi. Ça, c'est pour petit bonhomme. C'est un savon moussant des Avengers. J'ai pris. Là, j'avoue, c'est chez les hommes, mais ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai pris le Axe Provocation. Je trouvais qu'il sentait bon. J'ai pris une fois un Axe pour moi, parce que bah, j'aime encore bien de temps en temps. Donc voilà. Et je crois que c'est 1,89€. J'ai pris. Ça, c'est vraiment pour tester, parce que j'ai jamais testé. La Lac Diamond Volume Care en force 5 de chez Nivea. Voilà. Et elle coûte 2,89€. Je crois. Voilà.
Ah non, j'en ai encore. J'en ai encore. J'ai acheté le spray. Oh là là là. Évidemment, ça a frotté, je suis presque plus. Voilà, non, en fait, on va dire le lissage. Donc voilà, de chez Sayeux, si ça coûtait une histoire de 2 euros aussi. Chez Primark, j'ai acheté un gros baume à lèvres Blackberry. Non, ce format-ci, et ça coûtait 1 euro ou 1,50 euro. Ben, tant mieux pour moi. J'avais encore deux paquets comme ça dans le fond de mon sac. J'ai aussi acheté un petit carnet, enfin un petit carnet, un plus petit format de 128 coloriages pour adultes. Donc, anti-stress, c'est 89 centimes si je ne m'abuse. J'ai aussi acheté, enfin, on a pris, monsieur et moi, des lunettes de soleil chez Primark avec la petite pochette pour 3 euros. Lui, il a pris des dorés, enfin, le tour est doré et le vert de la lunette est, je sais pas, un peu multicolore comme ça. Et moi, j'ai pris des rose gold. Voilà. Et elles sont plutôt pas mal pour 3 euros. Donc voilà, je m'arrête ici parce que de toute façon c'est assez. J'espère que toutes les petites choses que je vous montre, ben, il y a encore. Ça, j'ai pu voir que, en tout cas, ces formats de palettes, si je les ai vus dans tous les 10, je crois. J'ai été, à savoir que j'ai été à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles, à Wavre, à Nus aussi. Donc j'en ai fait plusieurs et il y en avait partout. Donc à ce niveau-là, voilà. Pour les autres petites choses, bah, j'espère qu'il y a encore. Voilà. Donc sur ce, je m'arrête ici. Je crois qu'il est grand temps. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.